J'avais une tenue qui... qui me permettait d'avoir des soins gratuits, je crois. De temps en temps, c'est rare. C'était pas mal. J'aimais, je préférais ça. Enfin, ça là, en salon, on s'amuse. Des cages. T'es traité comme des animaux. Je doute qu'Anna partage notre foi. Négatif. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça va pas être de la tarte de monter là-haut. Le froid et la nature ont repris leurs droits. Alors c'est là que ces gâtiers ont percé. Ouais. Le premier contact a eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté tous les hommes à l'excavation. Et en une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? Vu comme c'est glauque ici. Ça va sauter. On se disperse. Soyez vigilants. Je vais en rendre fou, hein. Je vais voir comment ça marche. Protégez-moi, Steve ! C'est fini. J'ai perdu. Tu vas crever. Cool, 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 cool. On a fait un piège. Salut, Rick, Rick. Ah, j'ai oublié le coffre. Merde. Non, prends, prends. Yes. Est-ce que tu veux... Non, ok. Bon, on va refaire le tour. Hop. Hop. On est Baba Yaga, ça y est. De mitraillette. Ça va, combattre des humains, en fait, ça va être super facile. On n'a même pas besoin de le faire en infiltration, en fait. Genre, on les empoisonne et ils s'entretuent tous. Vraiment anciens. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous? Je me demande que si faire des pièges sur les humains, sur les corps, est-ce que ça transforme le gaz aussi en gaz de Baba Yaga ou pas? Ah, t'as loupé la fin, ça fait. On va aller là-bas d'abord.
Elle fait peur maintenant. T'es sérieux? Ah, quand même. Il y a toutes ces bouteilles, tu peux pas en prendre une. On aurait étonné. Ah, ok. Oh la vache, on est où? Je vois rien. Lumière. Tu pars d'une entrée. Encore des artefacts. Putain, mais faut descendre ou monter? Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je voie ça. Le combat était cool, hein. Je suis bien content qu'elle ait pété sa fiole. Comme ça, on a eu un combat sous LSD, en fait. C'était vraiment cool. Oh la vache. Ouais, ok. Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Elle est encore à moitié pleine. J'en aurais peut-être besoin avant la fin. Peut-être. Alors, comment on va faire ça? Faudrait casser ce tuyau, en fait. Pas comme ça. Ah, peut-être on fait un lob. Comme ça. Et voilà. Yeah. C'était beaucoup plus simple en fait que ce que je pensais. Yes. Quoi qu'ils aient découvert, ça doit se trouver là. Facultatif. Lumière. Merci. Quelqu'un cachait des... Nous ne pouvons plus attendre que nos frères à l'extérieur de la mine se soulèvent. Les soviétiques ont découvert une chose plus précieuse que le minerai toxique. Ils ont découvert l'histoire de nos ancêtres et ont pillé leur tombe. C'est leur dernier crime. Au début, nous pensions que les anciens gardiens se réveilleraient pour punir nos bourreaux. Mais je sais désormais que c'est à travers nous que la vengeance de Dieu s'exercera. Nous rassemblons nos forces, réunissant des pioches et des haches en secret. Bientôt. Oui. Une heure. Et des armes de fortune. Ah. Toxique, ces minerais. Oh, yes. Je me rappelle plus exactement ce que ça fait notre la tenue. Pour avoir le... Comment ça s'appelle? Le gaz de Baba Yaga, il faut l'arc. Mais la tenue, elle fait quoi? Augmente la durée des nuages. Ah, ok. Okay.
Ouais, on va garder la tenue. Encore. Non. Ah yes, tu l'as gardé là, Anna. Yes. Là par contre je suspecte que ça va pas marcher. Que ça coule directement dessus, donc. Je viens de louper un événement. Un mécanisme pour déclencher une bombe. C'est la même fabrication. Il a dû mettre un temps fou à rassembler tous les éléments. Ça y est, j'y suis presque. Je dois trouver un moyen de rentrer. Une fois l'uranium quasiment... Ah, c'est de l'uranium. Okay. Bah, tu vas pas vivre vieille, ma vieille. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Des chariots. Ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Je vois pas où m'accrocher. Faut peut-être d'abord sauter dessus, je pense. On va voir. Ah mais c'est par là. Je dois trouver un moyen de la bloquer pour de bon. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. De ce côté ? Là, ça va tomber. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, faut peut-être ouvrir la porte là. Faut la bloquer avec la corde.
pense. Comme ça? Bah non. Ah! What? Je viens de passer à travers le décor. Bon, encore que le feu il est juste là. Il y avait bien une rambarde, hein. Ouais, il y a des rambardes en haut. Lara. Lara, que fais-tu? Yeah. Non. Bon sang. Je dois trouver un moyen de la bloquer pour de bon. Ça y est. J'y suis presque. Je dois trouver un moyen de rentrer. Une fois l'uranium quasiment. Ah, c'est de l'uranium. Bah, tu vas pas vivre vieille. Ma vieille. Je sais pas. Ah. Ah. Ah, comprendo. OK. Non, 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 non. On va accrocher le chariot par la corde. Voilà. Maintenant, on tire. Et le chariot va rester accroché. Ça a marché. Ça a aucun sens. Zéro. Nawak. Ça a aucun sens. Mais pourquoi pas? Genre le truc il arrête l'eau quoi. Évidemment. Qu'y a-t-il, Saphir? Un petit déjà vu. On dirait que les mineurs ont fini par se venger. Alors, quel est notre nouveau pouvoir? C'est un codex ancien. Une réflexion philosophique sur les vertus de la conscience. Yeux vifs. On a 4 paires de yeux. L'instinct de survie amélioré permet de faire apparaître en surbrillance les pièges à proximité. La mine rouge. Les pièges à proximité. On dirait qu'ils l'ont traîné jusqu'ici. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Mais ça doit être lié au prophète. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie. J'aurais mieux aimé qu'elle ait pas de... Non, je vais peut-être pas finir ma phrase. Peut-être pas finir la phrase.
Hop là. Boy. Je sais pas. Là. Non. Ouais, non, si. Là, on revient sur les pogs. Maintenant, on monte. Enfin, si on peut. Elle aime pas avoir la queue de cheval mouillée. Hein. C'est toujours la première chose qu'elle sèche. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. Oui. Oui. Voilà. Oui, on le sait ça maintenant. Non mais attends. Est-ce que je vais au mauvais endroit là, non? Ah, ok. Non. Ça y est, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais là? Je reviens sur mes pas. Non, il faut remonter. Je crois. Oui, ça c'était complètement facultatif en fait. Des bouteilles. Pas de bouteille. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait pas boire ici? Ah. Tout va bien. Des gens qui marchent. J'ai l'impression que c'est des gens qui marchent. Non, c'est des fantômes. Tout va bien. Mais tout ça pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Rejoignez l'usine de cuivre pour retrouver Jacob. Mais... on a fait tout un détour pour ça? Oh la vache... Attends. Eh ben. Ah.
je suis complètement en train de retourner en arrière en fait. Oh la vache. Oh la vache. Bon, on doit aller sur la gauche. Bon, on est reparti. On a fait tout le tour en fait. Oh mon dieu. Bah voilà. Oh, ok. Faut jamais s'arrêter en fait dans le jeu. On est sur la bonne voie. Ah, oh, yes, du bois. Oh, le bois, c'est la vie. Ah, il y a des... Ah, on va les rendre fous. Ah ouais, carrément. Ah, c'est devenu violent maintenant. Ah, c'est parfait. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Pièce d'arc à poulet. Comment je vais te tuer, toi? Yeah. Ouais. Fallait que je te fasse un peu plus violent que les autres, en fait. Derrière toi.
Guldruk, t'es sérieux? Grosse mèche sur Battletech, presque une 900 MO. Encore une fois, presque un giga. C'est fini à dentelle, bonjour le cuir. Pas mal ça, pas mal. Faut que j'ai plus de réserves pour faire des flèches de empoisonnées là. Je vais surtout jouer avec ça en fait, c'est drôle. Attends, où est-ce que je vais là? Sur le toit. Faudrait que je lance la mise à jour après, on verra. Avec de la chance, peut-être que j'y rejouerai. L'armure. Ouais, mais c'est la troisième fois hein, qu'ils font des mises à jour de 900 et quelques. Hein. Enfin, la dernière c'était 850, un truc comme ça. A chaque fois, enfin pour moi, ça fait deux mises à jour, le jeu a toujours pas changé. A vraiment pas changé un poil. Donc on va voir un peu. La troisième. Moi j'ai dit la troisième, c'est la dernière. Si le jeu change pas, s'il n'est pas optimisé, je désinstalle. On va prendre ça. Ça fera des bombes. On peut descendre avec la corde. Je suis dans une merde, pas possible. Là, vous êtes là. Non, non, c'est pas Bayaga. Je suis coincé là. Il faut que vous... Non, non, c'est Baba Yaga, s'il Jacob. Te plaît. Merde. Ok, on est plein. Déjà à l'intérieur. Ça m'étonnerait. Ce serait bien trop facile. Fais voir le rapport d'activité. Ah, je crois qu'on a l'arc à poulies. Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous. Ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. A plus, Gul. Bis bis. Ouais, d'après les derniers rapports... Non. Je l'ai perdu. Tout va bien. Du coup, je vais faire beaucoup moins de... d'élimination furtive. Enfin, c'est... Non, c'est compté quand même en furtive, je crois. Parce qu'il y avait écrit... Il y avait écrit furtif. Oula, ça va péter ça, non? Peut être embrassé grâce à un feu ou un explosif, ok. Ah, j'aurais pu faire péter avec ça là. Bon, c'est marrant de... C'est marrant de les voir s'entretuer.
Il y a une fuite là-haut. J'espère qu'il se l'est balancé au... Non merde, ça cancel en fait son mouvement. T'as déjà vu Baba Yaga avec un AK-47? Baba Yaga avec un AK-47. Faudrait que je puisse emporter un peu plus des flèches. Je crois que les flèches spéciales, j'ai un équipement, enfin une tenue pour éviter d'en perdre, mais bon. Ce serait peut-être un peu trop triché. Mais... C'est sérieux? Est-ce que je peux esquiver et le taper? Tu vas crever. Ah, loupé. Il y a plein de cocktails, je peux faire le cocktail, mais je voudrais faire ça plutôt. Voilà. Tu bois. Petite déco du chat. Si on continue, ça va devenir une habitude. Merci. Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci? Oui. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps. Il y a une petite déco, je sais. Ce passage va nous permettre de traverser la montagne. Mon peuple l'utilisait avant que les soviétiques n'arrivent et se mettent à creuser. Qu'est-ce qu'ils ont déterré? De quoi éveiller leur curiosité? Ils se sont servis de machines et d'explosifs pour creuser plus loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Mais on ne risque plus rien. Enfin, on ne risquait plus rien. Ah. C'est pas très rassurant, ça. Les Trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier. Ils vont essayer de finir ce que les Soviétiques ont commencé. Et il n'y a pas d'autre chemin pour passer. J'ai bien peur que non.
Plus maintenant. C'est... très compliqué. Qu'est-ce qu'il passe? Il y a un amour. Chut, chut. Les piles sont toutes couronnées, mais je peux faire une dérivation. J'y suis prêt. Ils vont finir par tout faire s'effondrer. Les soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages. Ces machines n'ont pas été conçues pour faire dans la délicate. Ah, bien. Allez trouver Sophia. Dites-lui que les trinitaires sont là. Oh, waouh. Ils ont une forêt géante. Elle envoie des belles, hein, Baba Yaga. Jacob, Jacob, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? On peut peut-être remettre ce genre de charge en état. Ah, j'aime pas ça. Attends! Je regarde! Ah! Ok, ok! Je peux mettre cette console en marche! On sortira pas par mon état. Pour réparer ce banc de charge. Je sais, mais je vais tenter un truc pour voir. Merde, le banc de charge est coincé. Les rails sont complètement rouillés. Bon, déployez-vous. Trouvez quelque chose pour le décoincer. C'est parti. C'est parti. Baba Yaga. Baba Yaga. Aller plus vite. Ça fait pas de bruit du tout. Il a pas un casque lui? Ouais, lui je crois qu'il a un casque. C'est ça. Pas de bruit, fais pas de bruit. J'aime bien parce que le jeu il t'apprend toujours des. On dirait que c'est toujours le tutoriel en fait. Ouh. Ça devrait servir. Couteau de combat. Et alors? T'as des. Oh, ok. On est la compagnie. Liquidez là. Ça va péter. Ouais, ouais, ouais. Il avait bien un casque et tout ça. Genre, elle pouvait pas le faire avec le... le piolet? Couper les cordes? Tu fous de moi? Enfin. Voyons cette console de plus près. Trouver des secrets comme ça là, des sortes de cachettes,
ça me rappelle que va falloir que je trouve les trésors cachés dans God of War. J'ai vraiment pas envie de le faire. C'est là que je dois aller. Peut-être que si je coupe ces cordes... Ah! Peut-être si je coupe ces cordes, évidemment, on vient d'apprendre l'habilité de couper des cordes. Faut l'utiliser. Et maintenant, on passe là... Voilà. Camarade. Oh yes. Est-ce que c'est une partie de la cité perdue ? Ah, m'a fait peur, tu con. C'était juste. Eh oui. Encore séparés. J'espère que Jacob est toujours en vie. Intuition. L'instinct de survie indique les reliques, les documents, les monolithes, les coffres forts, c'est même à travers les murs épais. Ah, c'est pas mal ça. Je me bats pour survivre et pourtant... Je suis pleine d'espoir. Je suis entouré de ruines incroyables. On augmente la taille et la durée du nuage. De la cité perdue du prophète. Ça, ça tue, ça. Mais où commence la légende ? La source divine est-elle ici ? Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est un gros carquois de chasseur. Il faut une... On augmente la capacité de transport de tout type de flèches. Ça, c'est bien, ça. Ah, c'est con parce qu'on peut faire ça, mais on peut pas faire l'autre parce qu'il nous manque une peau. Oh, ça c'est chiant. Ça. Genre, on peut faire le truc avancé, mais pas le normal. Carrément. Oh, les mecs, ils y vont comme des bourrins, quoi. C'est énorme. Bon, par contre, on a récupéré encore un point d'habilité. On va l'utiliser. Ah, mais il y avait ça à dire aussi. Cette fresque dépeint le prophète prêchant à Constantinople. Les acteurs ennemis vous infligent moins de dégâts. Ouais. Plus aux dégâts des ennemis pendant une courte période après l'élimination furtive réussie. Tu instantanément les ennemis en armure pendant une esquive contre-attaque. Ouais, ça se peut être pas mal. Dégâts des ennemis pendant une courte période après avoir bandé vos blessures pendant le combat. On va prendre ça.